Ils sont âgés entre 7 à 16 ans pour la plupart des enfants qui prennent part à la colonie de vacances dans la région du Sud. Sous le thème tourné autour de la lutte contre le repli identitaire et les discours de haine. Une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs pour favoriser le brassage des cultures et inculquer aux enfants des valeurs civiques et citoyennes. Je me suis mis dans la posture de quelqu'un qui les enviait, parce que nous également, à leur âge, nous avions fait des colonies de vacances, peut-être pas avec la même formule. C'est une occasion de mieux connaître leur pays, de faire connaissance avec d'autres enfants qui viennent d'autres régions. Je crois que c'est un modèle qui permet de renforcer le consolidé. Accueillis par le gouverneur de la région du Sud, ces enfants étaient regroupés en famille sous la conduite de la directrice du développement au ministère. Ils ont participé à un salon culturel. Alors, déjà le thème de cette année tourne autour de la lutte contre le repli identitaire et les discours haineux. Donc, les activités allant dans ce sens sont le feu de camp, des jeux de ludo, des visites des sites touristiques. Le but recherché est d'imprégner les enfants aux valeurs culturelles et traditionnelles du pays. La visite du musée d'art de Colandom leur a permis de découvrir les richesses culturelles dont disposent les différentes régions. Les hôtes du jour ont fait une connaissance approfondie de la région et les merveilles qu'offre le centre touristique. Le rendez-vous a été pris à l'année prochaine pour plus de découvertes.